Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue sur le sixième épisode de notre Let's Play de Feed the Beast Beyond. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est en compagnie de Azord. Bienvenue à toi. Le petit effet. Oh merde! Amène-moi une corde! Elle est où la corde? Bon, on Où va casser. ça? Bonjour. Alors je sais pas si c'est du lag ou autre chose, mais on dirait un poisson quand tu voles. T'as les pieds qui font C'est flop toi le flop flop poisson? flop flop Vas-y, c'est bon, là, je me casse. Il m'insulte de poisson, flop. Ah non, ça faisait vraiment un là. truc bizarre. Prendra à vouloir aller sur les gens, sur les vidéos des gens, Je là. t'ai Vas-y, sorti pousse-toi. une Moi, je cinématique. me barre, toi, tu restes dans ton trou, tu fais pas chier. Voilà. Je t'ai sorti une cinématique Ubisoft avec le petit F1. Nice. Bon, je devrais peut-être reboucher Donc cette toujours meilleur que le crevasse. contenu, hein, cinématique Ubisoft, on retiendra. Voilà, donc bon, aujourd'hui, enfin depuis hier, Azord nous a rejoint. C'est hier, c'est ça? Je suis plus sûr. Non, pas Non, hier, avant-hier. avant, il y a 4 jours, 3 jours, 4 jours. Le temps passe plus vite que prévu. Bref, du coup, il nous a rejoint depuis 4 jours sur le serveur. Voilà, on Bah, est j'ai rejoint 3. dimanche soir, donc là on est mardi, il y a 3 jours. Voilà. Ok. Bah du coup, tu nous présentes ta base? Qui a l'épée en mélanine parmi nous? Tu respectes. Bon. En 3 jours, j'ai dépassé leur niveau technologique, mais c'est pas grave. Non, pas technologique, enfin moi peut-être, mais pas Paco quand même. Pas technologique, on va dire juste leur niveau technique. Voilà. Parce que technologique, j'ai pas encore beaucoup de machines. Voilà, parce Bref, que bah, moi aussi pardon, Counter j'arrête Strike. de te couper, je te laisse parler, vas-y, moi je vais me cacher quelque part. Non, mais vas-y, hein. Présente-nous ta base du coup, parce que enfin bon, moi Ah bah j'ai continué un petit c'est peu. ça. C'est vrai que C'est j'ai pas présenté en intéressant. fait. J'ai pas du tout présenté celui-là. Bon, ça va être le complexe extérieur, en fait, ça va être purement décoratif. Un petit peu comme on aimait bien faire si vous avez suivi les chaînes, les vidéos d'Azord, puisque j'ai pas mal d'abonnés Bonjour. qui viennent de chez toi aussi. Mais du coup voilà, c'est purement décoratif, il y aura quelques petits trucs. Non mais on dirait vraiment un poisson, mais ça ressemble Les rageurs voragés. Ah non mais tu verras, c'est vraiment hideux quoi, parce qu'on voit même pas le, on voit même pas ton glider, c'est. Ouais, non, c'est vrai qu'on le voit pas, on le voit pas. C'est Et du marrant. coup voilà, bon bah, je vais vous présenter vite fait. Donc Pépito est de retour, j'en ai retrouvé un. Un Pépito sauvage. Il faudra que je colore son collier en jaune. Du coup Paco m'a fait tout ce qui est ME, donc là de ce côté-là on va être tranquille pour un bon petit moment. Puis là j'ai quand même quasiment terminé, on va dire, oui. Bon après il y a la déco. Il y a la magnifique déco d'Azord. Je suis allé 8, c'est la vie, retenez ça. Voilà, bon ça il va probablement montrer après. Mais j'avais juste voulu planter un arbre en eucalyptus parce que c'est plutôt sympa. Et bah du coup il s'amusait à graver Les des trucs eucalyptus, dedans. c'est horrible. Ça c'est bizarre, tu peux Poulpe graver. plus hasard égale creeper. Retenez ça, les enfants, c'est très important. La vieille équation quoi. Et là du coup cet arbre en plus je me suis rendu compte qu'il est vachement pratique du coup pour construire parce que je peux accéder à peu C'est aussi partout. vachement pratique pour pouvoir s'envoler. Allez, salut! Ah oui du coup bon on va aller Tu me voir. rejoins, Ouais, je te rejoins. hein? Tiens, tu vas pouvoir nous montrer le l'équivalent du Golden Lasso mais en plus drôle. Bah, du coup, j'en ai plus. Ah bah Et attends, on je va crois que prendre le j'ai mien. pas assez de cuir. Donc, ouais, il vaudrait mieux que tu prennes le tien. Hop, il est où? Il est là. Bah, vu que c'était le tien. Attends, vas-y, passe 2 secondes. Hop. Passe 2 secondes. Alors en fait, donc du coup, vous avez ce petit objet assez bizarre qui s'appelle le Piggy Backpack. Et en fait, vous pouvez aller vers n'importe quel mob. Alors là, en soi, ça porte bien son nom parce que je vais prendre un cochon. Cochon, viens là, viens là, viens là. Boum, et voilà, ça le met sur la tête. Et le truc le plus marrant, c'est que lorsque vous avez un Hang-Glider, eh ben, vous pouvez partir avec le cochon. Ça donne un truc, c'est n'importe quoi. T'as le cochon qui est en train de te juger en plus. Il regarde vers le bas, ça. Après, pour le retirer, il suffit juste de retirer l'Hang-Glider. Hop. Vas-y, retombe par terre. Le Oh, piggy d'avoir un backpack cochon chez plutôt. moi. Par contre, je vais prendre ça. Ça, c'est bien ça. Hop, c'est à Le moi. baie. Du coup, alors là, j'ai planté un petit peu d'arbres pour faire un peu plus forêt. Mais de base, on est juste à côté d'une grosse forêt, comme vous pouvez voir. Je commence à construire ça. Alors, ça va être un peu l'avant-poste. Donc, en haut, il y a juste un lit, ça sert à rien d'y aller, hein. Bah, j'y Ça vais va être quand un peu même. une espèce d'avant-poste sur lequel il y aura. Attends, je vais aller Oh, poster le c'est stylé cochon le pour un balcon. petit. Hop là. Tant que j'y pense. Sur lequel, enfin, à l'endroit où je vais.
stocker sûrement des petits bordels, des drones, des trucs comme ça. Ça va vraiment être l'endroit pour foutre la merde. Et par la suite, donc il y a ce pont qui va être recouvert. Et là, on arrive au niveau un village en devenir. Pour le moment, ça ressemble pas à un village, ça ressemble plutôt à une forêt modifiée. Mais ça va être un village en devenir avec donc justement tous les petits trucs qu'il faut, tous les petits équipements qu'il faut. Alors une forge, une zone pour générer l'électricité, etc., etc. Et principalement, le mode qui sera utilisé sera Immersive Engineering, parce que j'adore ce mode, et Tinker's Construct, parce que normalement, avec ces deux modes-là, on peut faire le café. Ouais, voilà. Littéralement. Ouais, j'avais déjà essayé de faire un truc comme ça, une espèce de village avec chaque bâtiment qui t'aiderait à produire une ressource en particulier, mais c'était un peu long et pour moi. Pour vous... Voilà. Pour voir un peu l'exemple de Chisel & Bits, ça a été les espèces de supports que j'ai créé avec Chisel & Bits. Là, ça se fait extrêmement simplement. Donc, je vous montrer ça tout de suite. Écoutez, parce que l'autre il veut que je le montre à tout prix. Bah oui, parce que moi je connaissais même pas ce mode, j'avais même pas vu qu'il était présent. Alors, je vais prendre, pour que ce soit un peu plus beau, je vais prendre un bloc comme ça. Bah, je vais prendre ça, tiens, vu que j'en ai déjà. Je vais prendre ça, et puis je vais prendre un tronc d'arbre. Voilà. Alors, j'ai pris on va escalader dehors, ce sera plus simple, parce qu'en fait, ici, il n'y a vraiment pas de place. Ah bah bravo, il me ferme la porte en plus. La porte se ferme toute seule. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà commencé à grignoter un peu dans les blocs. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est une chiselle de Chisel & Bits. Donc, okay, donc c'est celle-là. Ça coûte juste un minerai, enfin un diamant, un fer ou un or, je crois. Donc, c'est la même. Non, c'est la même que celle. Enfin, que la chisel de base, mais c'est juste qu'il faut les placer différemment en fait. Oui, voilà. Et faut pas confondre parce que les deux sont complètement différentes au niveau des usages. Ouais. Donc, une fois que vous avez la chisel, vous avez plusieurs modes. Alors, moi, j'utilise la touche Alt pour changer de mode. C'est une espèce de rouage, je te montrerai après. Mm-hmm. Pour changer de mode. Et je choisis par exemple Grid Snapped. Un quart size cube, donc la taille de cube de un quart, et donc ça me permet de pouvoir récupérer en faisant un clic normal, un clic gauche, de pouvoir récupérer des morceaux du bloc. Je suis là. Et ces morceaux là ils vont être automatiquement stockés dans le chisel bit bag que j'ai aussi sur moi. Sinon en fait le 1 bit ça équivaut à cette taille là, donc sur un bloc vous avez 8 x 8 x 8 bits. Ce qui fait 8 stacks par bloc. Donc ça devient vite un gros bordel dans votre inventaire si vous faites pas attention. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un sac, parce que le sac stocke les bits de manière plus efficace. Et donc là ça fait juste un escalier de base, mais c'est plutôt sympa parce que voilà, ça permet de faire des escaliers avec des blocs qui n'en font pas d'habitude. Après je peux faire si on veut, je peux faire un escalier encore plus détaillé. Ah c'est stylé ça. Ou alors si je veux, je peux carrément récupérer un peu de laboratory block. Je change de mode, je supprime une couche sur chaque marche, comme ça. Mm-hmm. Voilà. Et je rajoute une couche, du coup, de laboratoire au-dessus. Tac, comme ça. Ouais, ça fait un petit marchepied. Ah ouais, ça rend pas mal quand même. Voilà. Ça permet de faire beaucoup de choses. Et après, pour donner un exemple un peu plus concret de choses qui peuvent être possibles à faire, je réduis le bloc en enlevant une couche. Mm-hmm. Sur le côté, je vais lui en retirer 4. Ah, et je vais lui en retirer encore une au centre. Je rajoute une petite couche de chaque côté en fait, parce que j'ai foiré mes calculs, hein, normal. Évidemment. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Je te juge très fort. Moi. Tac. Hop. Et voilà ce que je vais faire. Je vais mettre du Dark Oak que j'ai récupéré de l'ancien bois, les bits que j'ai récupérés qui sont toujours dans mon inventaire, j'y dépose ici. Voilà. Je mets un peu de laboratory block ici pour faire comme une porte. Et vous voyez où je vais en venir, hein, déjà à partir de là. J'ai juste à faire. Alors par contre, je sais pas où ça se finit exactement. Je vais marquer avec l'autre bloc. Tac, ça se finit ici. Tac. Et voilà comment c'est un petit comptoir de cuisine ou un petit comptoir salle de bain très rapidement. Ça prend vraiment quelques clics et c'est pas compliqué du tout. Tiens, je t'invite à prendre le chisel. Dans tes options, normalement, tu devrais avoir, si mais t'as pas modifié par défaut, la touche Alt qui te permet de pouvoir ouvrir le menu de chisel.
Et donc, tu as tous les menus différents. Et en fait, par exemple, choisis le menu Plane, qui doit être en bas vers la droite. Connect plane, ok, ouais. Voilà, Plane. Et donc, tu fais un clic gauche sur un angle, un clic gauche sur l'angle opposé. Vas-y. Clic gauche. Ah oui, un clic gauche sur un angle et tu laisses glisser jusqu'à l'angle Ah, opposé faut tout en glisser, ok. appuyant sur le clic gauche. Voilà. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Voilà, et après relâche une fois que tu as fini. Ouais, attends, je finis ça. Hop, voilà. Ouais, d'accord, en fait, je vois comment ça fonctionne. Je croyais qu'il fallait faire clic gauche, un peu comme World Edit. Non, non, absolument pas. Non, ça va, en fait, il y a pas mal, il y a moyen de faire pas mal de choses. C'est Vas-y, assez vas-y, simple. retire le morceau qui est au-dessus, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est bizarre ça. Hop, ouais, Ah, c'est tu bon. laisses cliquer sur un angle et tu laisses cliquer jusqu'à l'autre angle, puis tu relâches, voilà, comme ça. Je Ouais, crois que t'as je. t'as... Ok. Non, mais ça va, Ouais, non, c'est bon. c'est simple à Par contre, utiliser. tu vois maintenant dans ton inventaire, t'as énormément de bits. Ah oui, ça. Ça, c'est ça qui pose vite problème en fait. Pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle le Chisel Bits Bag, Ouais, attends, qui je vais en jeter fait ça. a pour rôle de stocker en masse les bits à l'intérieur. Ah oui. Il y en a combien là? Il y en a tellement. Bah, à chaque fois, je crois que c'est 1024 du même type. J'ai l'impression qu'il y en a. Ah ouais, non, ça doit être ça. C'est presque buggé en fait. Et quand on utilise le bug, à savoir, c'est qu'il laisse par défaut un stack de blocs qu'on est en train d'éditer dans ton inventaire, et le reste du stack, il le met dans le bug. Donc ça permet de pouvoir toujours garder un stack, parce que moi, juste avec des minerais, je peux continuer à faire de l'édition, si je veux. Je peux pas supprimer parce que j'ai pas la chisel, mais je peux continuer à poser. J'ai pas besoin de D'accord. la chisel pour déposer des nouveaux blocs. Ouais, faut que je Et tente, aussi, un sinon dernier ça va truc à être trop tard. savoir, c'est que lorsque... Vas-y, redonne le chisel, s'il te plaît. Un dernier truc à savoir, c'est que lorsqu'on retire toute la merde qu'on a faite. Voilà, je supprime. Je supprime tout ce bordel-là. Il y avait aussi ça que j'avais modifié. Et je remets du bois normal. Alors, pas comme ça, plutôt comme ça. Et ben à la fin, ça finit par redonner le bloc d'origine. Donc là, on voit que c'est marqué Waila, hein, si tu l'as activé. Oui. Ouais, Donc ça redonne le bloc, c'est plus c'est chisel un and bloc bits. normal. Alors là, par contre, j'ai pas fini au niveau. J'ai pas tous les trucs qu'il me faut pour ce bloc-là, donc je peux pas le terminer. Écoute, tac, hop, voilà, y a plus de bloc. Tu peux pas terminer le bloc s'il y a plus de bloc. Et ben voilà, exactement ça. Voilà. Non, franchement, ouais, c'est pas mal comme mode. Donc voilà, ça permet de pouvoir faire des trucs assez précis, assez poussés au niveau décoration. Et ensuite, une fois qu'on a créé quelque chose, alors je vous montre l'exemple par rapport à ça, ces petites merveilles qui sont là. J'en ai créé, alors, à savoir juste où est-ce qu'il est. Non, je vais le retrouver. Hein. Oui, zombie, c'est bien. Fais ta petite baignade, tu nous appelleras quand tu auras fini. Ce qui est bien, c'est que ça reste Non, pas un c'est bloc ça. plein. Voilà. Ça modifie vraiment la hitbox aussi, enfin, la Tac, taille du voilà. bloc. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut créer ce qu'on appelle un Positive Chisel Design, qui se fait avec un seau d'eau, un lapis et un papier. Et une fois qu'on a un truc comme ça, on va juste mettre dans la table de craft le bloc qu'on a chiselé, qu'on peut récupérer hein, d'ailleurs au passage. Si jamais je prends ma hache, voilà, je peux récupérer le bloc sans problème. Non, une hache, merci. Je peux récupérer le bloc sans problème. Hein. Le bloc chiselé restera chiselé. J'aurai juste à le replacer, voilà, dans le bon D'accord. sens. Et donc, je le mets avec le. Il est où? Oh là, oh, il me fait trop peur, lui. Je fais un 3-6 et un zombie. Donc, je le mets avec le Positive Chisel Design, ce qui me permet de pouvoir écrire le design. Et une fois que j'ai le pattern qui a été fait, il me suffit juste d'avoir un Chisel Bitbag avec à l'intérieur le bois, enfin l'item qui correspond. Donc, là, en l'occurrence, c'est du Dark Oak. Et je peux poser où est-ce que je veux. Tac. Mon nouveau design. Ouah, ah d'accord, tu peux le sauvegarder. Donc voilà, là en fait je le régénère à partir des éléments que j'ai dans mon bag en fait. Ok. Ah Alors par contre oui, il sauvegarde tout ça. bizarrement, il veut pas le. Il le fait à partir de zéro. Enfin, il veut pas le faire à partir de zéro. Tac. D'accord. Donc là, ça m'a donné de l'herbe, ça m'a donné des petits blocs d'herbe. Je vais vite refaire le sens inverse. Alors pour faire le sens inverse, on essaie un bon truc, c'est qu'on a le retour arrière.
Donc c'est undo, hein, c'est ses derniers paramètres. Et en appuyant sur undo, donc moi perso, je l'ai mis sur le retour arrière pour effacer ce que vous écrivez. Bah, ça nous permet de pouvoir annuler la dernière. Oh, tu vas te calmer, toi. Ça permet d'annuler la dernière modification qu'on a faite. Assez pratique à toujours avoir dessus parce que c'est très rapide, vu que c'est des tout petits blocs, c'est très rapide de faire des conneries. Donc l'avantage, c'est qu'on peut très facilement annuler tout ce qu'on a pu faire. Et une fois, deuxième mouton. Enfin bon, bref. Sinon, à part ça. À part la magnifique explication de ce mod. Ici, j'ai fait donc la forge qui est à 4 sur 4 sur 2 de Tinker's Construct, avec un intérieur un peu d'or. Et la forge, alors à savoir, une fois que vous avez commencé à faire votre groot pour commencer votre forge, pour ceux qui connaissent déjà comment faire, le groot qui se fait avec du sable, de la clay, du gravier, pour faire les premières briques, vous n'avez plus besoin de vous emmerder à faire d'autres briques. Vous pouvez directement mettre de la pierre à l'intérieur de la forge. Cette pierre se transformera en Seared Stone et vous pouvez la faire caster dans un casting bassin comme ce truc là. En fait, vous récupérez directement de la pierre en fait. Et c'est la pierre qu'il y a autour, là, la pierre noire que j'ai autour de ma fonderie. Si vous voulez aller plus vite, dans la dernière version, dans la version donc qui est utilisée par le modpack, c'est plus possible. Avant, on avait la compatibilité avec les blocs de pierre compressée. Malheureusement, c'est plus possible. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser vos patterns. Par exemple, le pattern de creeper, celui qui clignote là, mm-hmm. qui a un matériel cost de 8. Vous faites des patterns de pierre, ce qui vous donnera, ce qui vous fera 8 pierres par 8 pierres à chaque fois. Et vous faites fondre les patterns, ce qui vous fera donc du coup 8 pierres d'un coup mis dans la forge, au lieu d'en mettre qu'une seule en même temps. D'accord, il y a toujours des bugs. Ah, c'est pas un bug en soi, c'est juste prévu pour, c'est le recyclage. Mais oui. Voilà, c'est un moyen contourné de pouvoir aller plus vite, parce que sinon c'est chiant quoi. Alors je suis pas totalement sûr, mais bon. Bon, qu'ils avaient prévu de faire ça, mais dans tous les cas, si ça marche, c'est cool. Parce que c'est vrai que moi, je me suis pris un peu la tête à trouver toutes les ressources. C'est ça, ouais. Après, au niveau de la sortie, j'ai une redstone clock que j'ai désactivée grâce à un signal de redstone. Et la redstone clock, en fait, elle me permet, si jamais je mets le cast de lingot. Casse de lingot qui est ici, tac. Elle me permet de pouvoir automatiser mon traitement de minerai. À savoir que la fonderie, c'est comme le combo maintenant très connu pulvériseur plus furnace. Ça vous permet de dupliquer vos lingots. Moi, je sais même pas ça. Autant utiliser directement dans la fonderie pour mettre vos minerais, ça sera beaucoup plus rapide et puis au moins vous pouvez tout automatiser. Ça traite tout seul. Il y a le hooper qui récupère le lingot et puis qui met dans le coffre automatiquement. Ouais. Ensuite, de ce côté-là, j'ai utilisé pour l'énergie. Alors, c'est un peu compliqué, on y pour passer. J'ai utilisé pour l'énergie. Alors, on peut le voir ici. Le Thermoelectric Generator de Immersive Engineering. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va générer l'électricité par rapport à une différence de température entre deux éléments. Donc, là, en l'occurrence, j'ai deux sources d'eau de chaque côté. Et j'ai deux sources de lave sous les deux pierres, sous les deux cobbles. Mm-hmm. Et en fait, il va faire l'énergie via les différences de température entre l'eau et la lave. On peut, si jamais il y a Big Reactor, on peut mettre les Blue Thorium. Oui, je crois que c'est un nom comme ça. Les Blue Thorium Blocks. Et si vous avez Thermal Expansion, plutonium. Vous pouvez mettre les Plutonium, voilà. Si vous avez Thermal Expansion, vous pouvez mettre du coup le Cryotherium et le Pyrotherium. Ouais, Pyrotherium, c'est ça. Et donc ça vous fait encore plus d'énergie. Après récupéré par les sources d'énergie cell, etc. Envoyé via les LV Wires Connectors qui sont plutôt pétés. Alors le seul truc, c'est que les LV Wires Connectors, vous pouvez pas les connecter ensemble, l'un envers l'autre. Vous êtes obligé de passer par un LV Wire Relay pour pouvoir connecter plusieurs fils. Ah ouais, c'est un peu gênant. Mais bon, c'est vrai que c'est assez stylé ça. Je crois qu'il y a 16 blocs par 16 blocs de distance. Donc c'est correct, on va dire. Il y a un zombie qui est en train de faire rapidement, c'est assez correct. Non, c'est pas mal, c'est joli. En plus, il y a l'item qui permet de s'y accrocher. Donc peut-être qu'on le fera en déco. Exactement. Parce qu'avec tous ces mods, il y a moins de faire. Moi, je compte utiliser les câbles. Sinon quoi d'autre? Alors là, bon, il y a absolument rien d'intéressant de ce côté-là. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. Oui, alors j'ai le coke oven qui est ici de Immersive Engineering, encore une fois, qui permet de pouvoir gérer du creosote oil, Et en fait, le creosote oil de Immersive Engineering va être hyper important parce que il vous permet de faire les treated woods. Voilà.
Et le Treated Woods, il vous sert dans pratiquement tous les crafts pour faire des panneaux électriques, enfin des poteaux électriques plutôt, pour faire des capacitors de Immersive Engineering, vous en avez besoin, pour faire des charging stations, etc. etc. Enfin, c'est un bois que vous avez absolument besoin quand vous faites le mod. Donc il faut avoir le Coco Oven, c'est l'une des premières machines à créer. Voilà, bon. Et après, bon, globalement, il n'y a que du bordel, sinon, hein, c'est massif bordel puissance 8000. Et aussi, oui, je voulais juste revenir sur un truc que tu avais dit rapidement. Oui. Par rapport au transfert d'énergie entre MJ et EU, enfin MJ, RF oui. et EU. Pour les convertisseurs, d'accord. Voilà. Alors en fait, on ne peut pas convertir directement parce qu'il n'y a plus aucun câble qui permet de le convertir directement. Sauf que si, il y en a un. C'est du mode Flux Networks. Voilà. Et il vous faut donc en fait avoir le flux le flux controller et d'avoir des flux points ou des flux plugs. Et ceux-là sont capables de transférer de l'énergie de RF à EU et inversement. Ok. Donc ça coûte un petit peu de ressources parce qu'il faut un minimum de avoir travaillé le flux. Bon, le flux ça coûte vraiment rien. Donc voilà, mais bon, ça demande un petit peu quand même, c'est pas gratuit parce que ça demande aussi de l'obsidienne et tout, donc faut à certains niveaux mine de rien, faut avoir de l'Eye Offender. Mm-hmm. Mais sinon, ça permet de pouvoir transférer sans problème. Ouais. Et il y avait un autre truc, oui, pour l'obsidienne, le problème que t'avais avec l'obsidienne que t'arrivais pas à la miner, en fait. Le cobalt. Un truc. Oui, il n'arrivait pas à miner l'obsidienne non plus. En fait, le truc c'est qu'il va falloir. En fait, quand vous faites avec. Quand vous utilisez le mode Tinker Construct, il vous faut aller vers une pioche à un niveau acier, donc steel. Et tu veux pas la faire chez moi ? Vous pouvez... De quoi ? Tu veux pas la faire chez moi sinon ? Parce que tu m'avais déjà donné l'item, enfin la tête de pioche en acier. Bah tu... Ouais, bah remarque, oui, on peut y aller. Comme ça je montre en même temps. Wow, j'ai esquivé la porte cette fois. Non, c'est vrai que c'était bizarre parce qu'en fait, je pensais que quand il me disait niveau diamant, du coup, bah c'était une pioche en diamant. Mais non, niveau obsidienne. En fait... Voilà, parce qu'il y a niveau diamant, niveau obsidienne, niveau cobalt. Ouais. Et moi je connais très très mal Tinker Construct, parce que je déteste ce mode. Oh là là, le petit poisson, le retour. Oh bah attends, j'ai plus vite que toi. Pas si je me suicide. Cheater. Cheater, arrête de cheater. Bon là du coup on repasse chez Paco, c'est un petit peu de spoil, il a fait plein de panneaux solaires. Je sais même pas s'ils produisent bien ceux-là. J'en ai aucune idée. Bon, j'imagine que oui, s'il en a produit autant. En soi, pour en revenir au niveau production, par rapport à mon générateur que j'ai de thermoélectrique, c'est un bas niveau, en fait, on va dire, c'est pas celui qui produit le plus. Mais en soi, pour les premières machines que j'ai, ça me suffit largement. Mes machines ne sont jamais à court d'énergie hein, avec mon installation. Donc, pour commencer, c'est assez pratique parce que c'est très simple à mettre en place, vu qu'il vous faut juste, pour que ce soit optimal, deux seaux de lave, deux seaux d'eau. Donc un seau de lave, un seau d'eau, ça vous suffit quoi. Et il vous faut faire le thermoelectric generator qui demande. Ah, ça tombe bien. Je crois que c'est juste de l'acier qui coûte le plus cher. Du constantine, mais le constantine ça coûte pratiquement rien à créer. Mm-hmm. Étant donné que c'est un alliage de nickel et de copper. Et puis il vous faut globalement beaucoup de copper en fait. C'est tout. Copper, j'en ai du beaucoup. Coup, t'as... Voilà. Là-dedans, il y a la steel pickaxe. Head, est-ce que t'as une pickaxe déjà de ce mode? Non. Ah. J'en ai pas fait du tout. Et bah du coup, il va falloir qu'on fasse les éléments. Alors je conseille, pas se prendre la tête pour faire les éléments. Alors je vais juste vider un peu mon inventaire parce que j'ai un bordel pas possible là-dedans. Si tu veux, il y a des. Pas se prendre la tête ici, hein. pour faire les éléments autres que le plus important, c'est-à-dire quand vous faites une pioche, vous avez deux trucs à faire. T'as des patins quelque part? Bah j'en ai dans le coffre à côté, j'ai les castes, et là j'ai les patterns ici. Ok, d'accord. En fait, donc, pas vous faire chier au niveau des éléments que vous allez utiliser. Quand vous faites une pioche, vous avez besoin de la tête de pioche, normal, vous avez besoin du bâton, et vous avez besoin de une espèce de croix qui va être en fait le support, le soutien. Alors cette croix, tu l'as pas fabriquée. Non. Donc il faut que je la fabrique. Bah, au pire, c'était quoi? Je vais prendre ça. Je vais recycler un de tes patterns, je vais pas faire chier. Voilà, il faut la petite croix qui est la binding pattern. Et donc voilà, je vous conseille différents bois. Même si vous faites une pioche niveau cobalt, le bois est très pratique parce qu'au moins il a l'avantage de pas se casser facilement et d'être plutôt stable en fait au niveau utilisation. Donc une fois qu'on a les deux pièces en bois, on va y mettre pour y faire l'autre pioche. Tac.
Tac, toi tu te mets là, tu fais pas chier, tac, tac, voilà. T'as une pioche en acier, et tu vois que son niveau, du coup, son niveau de destruction, c'est obsidienne. Donc grâce à cette pioche, tu vas pouvoir miner de l'obsidienne. Et une fois que tu auras miné deux obsidiennes, non, même pas, une fois que tu auras miné un obsidienne, c'est tout ce que tu as besoin. Tu mets ton obsidienne dans la forge, tu la fais couler de façon à ce que ça devienne de l'obsidienne liquide. Tu castes dans un moule en or de pioche, et là tu te fais une tête en pioche d'obsidienne, et cette tête en pioche d'obsidienne te permettra de miner du cobalt et de l'ardite, et d'en faire de la magnéline principalement. Tu peux aussi utiliser du cobalt à part entière si tu veux, ou de la magnéline à part entière, ou de l'ardite à part entière, mais je te conseille la magnéline, qui est le matériau le plus puissant de Tinker's Construct lui-même, mode autre excepté. Bah j'ai mis dedans là. Voilà, donc là tu mets ton obsidienne, tu vas la laisser cuire tranquille. Bon, Ça je prend un peu vais de essayer de temps. le vider le reste. En attendant. Je sais pas Ouais, si ça alors va être trop gênant. là par exemple, t'as de la pierre, pas mal de pierre. Non, j'ai deux cobbles. Eh ben écoute, moi j'en ai pas mal vu que j'ai des doubles compressed. Je vais te prendre un petit stack. Ouais, je vais te faire un petit peu plus qu'un stack. Tac, voilà. Et donc je vais utiliser le cast du marteau, vu que c'est un cast de 8, comme je t'avais dit. Et donc je vais faire 8 têtes de. Je vais faire 9 têtes de marteau. Et ces 9 têtes de marteau là, je vais pouvoir y mettre dans ta forge. Et ça va t'alimenter pour faire de la silhouette brick. D'accord. Tiens, je te rends le bois que je t'ai utilisé. Donc là tu peux voir à l'intérieur, il y a plein de marteaux qui sont en train de fondre. Bonne durabilité là. Non, j'avais déjà réussi à faire un bon marteau. Le souci, c'est que bah, j'ai pas réussi à faire un meilleur marteau que cela. Parce que je l'ai fait en diamant, je crois. Attends quoi. Voilà, donc là on a l'obsidienne, un bloc, et il nous faut. Est-ce que tu as le cast de la pioche? Non, tu n'as même pas le cast de la pioche. Non. Eh ben, on va prendre un minerai d'or, vu que un minerai d'or ça a donné deux lingots, hein, duplication de lingots, comme je t'avais dit. Du coup, on met le minerai d'or à cuire à l'intérieur, et il nous faut une pioche normale, une pioche simple. Donc en gros, on va prendre. Tu sais comment faire les moules? Les castes? Oui, les castes, oui. Oui, voilà, il suffit juste de prendre un matériau et d'y faire fondre de l'or autour. Voilà. Voilà. Donc tac, je te fais le cast, j'y pose. Ah, raté, j'y pose là. J'attends que ça cuit. Et puis je te. Tiens, c'est cadeau, je te redonne ça. Oh, je suis riche. Enfin, je t'y donne, alors je sais très bien que dans peu de temps, je vais pleurer parce que j'en aurai plus. Voilà, donc il y a ce qu'il nous faut, on fait couler. Alors ça détruit ce qu'il y a au milieu, donc pensez bien à le faire en pierre. Ne le faites pas en lingots précieux ou des trucs comme ça. Moi, je l'ai fait en Pareil pour le flint. cast du lingot, ça le détruit, donc faut pas être con. Et donc on fait fondre l'obsidienne à l'intérieur. Donc un bloc, ça veut dire deux lingots pour l'obsidienne. C'est plus long à refroidir, par contre. Un petit peu, ouais. Voilà, tu récupères. Et là, dans la table de dans ta toolstation, tu mets ta pioche au milieu et l'obsidienne en haut. Et voilà, tu fais ton upgrade d'obsidienne et là tu peux miner du cobalt et de l'ardite. Et durité, c'est quoi en fait? Ça améliore la durabilité ou c'est juste pour casser le cobalt en fait? De quoi? Il y a marqué durité en dessous. Il y a ecological et bah, durité du coup. Tiens, je te passe pour que tu vois. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ouais, Duritaille. Bah, le mieux limite c'est d'aller dans le guide et peut-être que le guide nous dira ce qui se passe exactement. Bah le guide indiquait les modifieurs mais... Il n'y a pas les autres guides qu'on est censé avoir. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai jeté. Ouais voilà, il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ça doit être écrit dans le bouquin, en toute logique. Normalement. Ok, durité. Your tool last longer. Ouais donc c'est ça, ça augmente la durabilité. En gros ça doit être bah, comme l'enchantement j'imagine, c'est-à-dire que de temps en temps la durabilité n'est pas réduite. Quand on casse un bloc. À savoir aussi que à force d'utiliser les outils, elle monte au niveau d'expérience. Donc tu vois, tu as un niveau d'expérience et tout. Ouais, j'ai déjà Et fait ça. une fois que le niveau d'expérience est monté, ça peut rajouter des trucs. Donc ça peut rajouter de la durabilité, ça peut rajouter de la vitesse de minage, un nombre de modifieurs. Et ça peut aussi rajouter des espèces d'enchantements dessus. Notamment, je crois que je l'ai sur ma. Bah, je l'ai sur tous mes outils en fait. Un enchantement qui les fait que lorsque je les utilise pas, ça les répare automatiquement.
Donc par exemple ma pioche, ça fait un petit moment que j'ai pas pioché avec, et là elle est complètement neuve. Et Savoir c'est si ça avec ne quel fonctionne ou matériau pas. ça? C'est, en fait, c'est à force de gagner de l'XP. Ah, À parce force d'utiliser. que c'est pas avec du flint qu'on peut aussi faire ça, je crois. De Je sais base. pas, mais c'est à force d'utiliser l'outil que ça te donne des bonus, quoi. Et alors, au niveau de la fonderie, donc du coup, j'avais mis 9 patterns, donc 9 fois 8 blocs de pierre dedans. Ce qui nous a fait 18 blocs. Donc, avec 18 blocs, là, tu peux faire 3, 6, 9, 12. Tu peux monter encore d'un étage, si tu veux, au niveau de ta fonderie. Après, Oui, on va le tu faire. peux aussi, si tu veux, mettre ta fonderie plus en largeur. Alors, sauf erreur, il me semble que ta fonderie peut aller peut aller de 2, de 1 sur 1 sur 1 jusqu'à 10 sur 10 sur je sais pas combien en hauteur. Par contre, le serveur va se fermer, donc je pense qu'on va faire une petite pause, vite fait. Hein? Il a dit quelque chose? Ah ouais. Bon, si ça coupe, c'est normal, bon, on fera la coupure. Mais oui, je vais augmenter la forge après. C'est juste que là, pour l'instant, c'était le début, donc j'évite de trop m'étaler. Hop, ça on vire, ça aussi. Savoir aussi, l'un des trucs les plus intéressants avec Tinker's Construct, c'est surtout les outils pétés comme les marteaux, comme les lumber axes, Ben, marteau, j'en ai fait un là, ou même ici. comment ça s'appelle? Oui, Bon, voilà, c'est un marteau exactement. C'est basique, hein, ce. mais. Alors, il est fait avec du coup avec quoi? La Netherrack. Netherrack. Ok, t'as utilisé quoi pour la main? Je crois que j'ai utilisé que Netherrack en fait. Bah, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut pas faire, en fait. Bon, après j'ai tenté, hein, c'est. À moins que je me trompe, mais il me semble que la Netherrack est moins résistante pour le manche. Voilà, ta durabilité, elle est de moins 50 du fait que tu l'as mis sur le manche. Ah, d'accord. Tu as perdu 150 de durabilité. Vaut mieux que tu mettes du bois pour le manche, en fait. Donc tu peux upgrade quand tu veux, hein. Tu peux juste mettre du bois avec un pattern et après tu mets dans la table et ça modifie. Ok. Mais ouais, en fait, le truc qu'il faut que Bon. je vous conseille, c'est d'aller, quand vous allez dans votre inventaire, vous avez les guides à droite, à gauche plutôt. Et dans les guides, vous avez les guides de Tinker Construct. Et là, vous pouvez voir les différents matériaux. Et ils disent, par exemple, pour le bois, ils disent lorsque c'est pour le manche, quels sont les modifieurs qu'il va y avoir, les durabilités, quels sont les trucs qu'elles vont avoir. On peut voir, par exemple, pour la stone, si vous mettez un manche en stone, vous avez 5, moins 50 en durabilité. Et vous avez 0,5 en modification, donc ça vaut pas le coup. Le bois, il était à 1 plus 25. Ça se vaut déjà plus le coup, quoi. Ouais, c'est sûr. Moins 100 pour l'obsidienne. Le papier, ça donne 5 de durabilité supplémentaire. L'éponge, ça donne 250, ce qui est très intéressant. Le fer, vous êtes à 60. 500 pour le king slime, mais je pense que ça va être assez compliqué. Moins 150 pour la netherrack, etc., etc. Donc faut vraiment bien regarder, bien prendre le temps de regarder, de se renseigner un peu sur les différents matériaux que vous avez, que vous pouvez utiliser, pour voir lequel vous permettra d'avoir la meilleure pioche. Si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, le plus simple, vous faites des manches en bois. Voilà. Ça fonctionne toujours. Perso, moi, tous mes outils, c'est des manches en bois et ça fonctionne très très bien. Ok, bon, on va faire une petite Adieu. pause, je pense. Adieu. Bon, nous revoilà, le serveur a restart, ça marche très bien, il est en train de faire n'importe quoi avec son. J'étais encastré dans la tête, dans le casting table. Waouh, je peux faire un cast avec ça. Non, mais là, c'est vraiment facepalm le truc. Je me demande. Curiosité à la con, mais curiosité à la con qu'il faut quand même tester. Toi, tu dégages, tu fais pas partie de la curiosité. Allez. Tu es trop curieux. Curiosité à la con qu'il faut quand même tester. Est-ce que c'est possible? Non, on dirait pas. Ah, tu peux pas passer à travers. Je le sais, on me l'a dit. Enfin, on m'a rien dit, mais je le sais. Là c'est sûr que ça va passer. Ah, ouais, non, comme ça. Hein. Non. Moi j'aurais plutôt dit l'inverse, Bon, bah, mais. du coup, je te laisse ça là, hein. Tu. C'est. Ouais, c'est beau, ouais. C'est vrai qu'il faut que Non, je c'est me bon, refasse une j'ai le Paxel. number axe. La Paxel, c'était un peu cheaté. Alors, il n'y a Bon, pas en la tout cas. Paxel. Y'a pas la Paxel? Je croyais que t'en avais une. Non, moi j'ai une matoc. Ouais. C'est quoi? C'est une hache de guerre C'est une germano-britannique? hache pelle ho. D'accord, donc c'était le. C'est comme le Paxel, mais en inutile, quoi. Hache pelle ho, je suis désolé, mais c'est tout ce qui est pas pioche, quoi. Ouais. Donc.
Et je vois à travers Bref. toi, c'est beau. Moi j'ai une épée quand même d'un niveau supérieur à la tienne, alors respecte. Ouais, mais moi j'ai la ligne qui absorbe les dégâts. Oui, non, 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 Et j'absorbe. si je fais ça? Et si je fais ça, tu fais quoi avec ta fonderie, hein? Allez, salut! Ben marche, hein. Ouais, mais elle a un niveau de moins. Ouais, mais elle marche. Voilà, elle a un niveau de moins. Tac, ça va, ça va être. Je me demande s'il est possible de casser une machine. Ouais, donc tente avec un four pourri, peut-être. Apparemment, je peux pas. Oh, c'est triste. Non, bon, sinon, pour convertir les EU en MJ, le seul truc que j'avais trouvé c'était Electrical Engine, évidemment. C'est le plus basique. Du coup, ça c'est quoi? C'est pour augmenter l'output et l'intake. Ok, bon, ça augmente la vitesse quoi. Bon, déjà, je suis à deux solar panels. C'est pas mal. C'était un peu la galère d'en crafter par contre. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là du coup. Est-ce que t'as autre chose à présenter ou à dire? Non, pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance, d'accord. Bah donc, dans le prochain épisode, on va faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, j'imagine, puisque nos bases seront beaucoup mieux avancées. Oula, j'ai des petits freeze. Moi, la base perso sera terminée en extérieur, j'imagine, et l'intérieur sera bien avancé, donc on pourra s'attaquer à des nouveaux modes. Bon, moi je rentre chez moi, hein. Oui, salut. Donc voilà, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un Ah, pouce vous me bleu à faites la vidéo. chier, il continue à parler alors que c'est la fin, moi c'est bon, je me casse. Tu verras comment j'ai nommé le waypoint chez toi. Ah là là, ça, tu vas pas être bien. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le 7e épisode. Allez, bye bye.